où il avait terminé 7e à la finale aux anneaux. Nils Haller, c'est donc un candidat intéressant. Et pour le moment, tout le monde est bien parti. On aura l'occasion de le voir sur le tableau des notes un peu plus tard. Ça va être chaud hein, pour les qualifications dans cette Swiss Cup. Nous sommes maintenant avec la Biélorussie et Nastassia Marakouchkaïa. Avec un premier salto costal ici. Gymnaste longiligne, hein, on le voit. Salto costal, beaucoup d'amplitude dans son travail, là, très technique. Attention au tour pivot. Un tour pivot réussi. Salto facial, corps carpé. C'est à la porte de l'originalité dans les figures. Saut acrobatique. Très bon début là pour la Bélarus. C'est une généraliste, hein. Nastassia Marakouchkaïa. Une longiligne, comme vous l'avez dit, 1m64, pas commun sur le plateau. Et la préparation pour la sortie de celle qui est surtout une généraliste et spécialiste au saut de cheval, avec un double arrière corps carpé qui n'est pas suffisamment enlevé. Résultat, c'est chute à l'arrivée, Laurent. Ça s'est vu dès l'impulsion des jambes, hein. Les genoux sont partis devant, c'est dommage, hein. Et là ça confirme un petit peu ce qu'on disait, les gymnastes sont en phase de